Qu'on y allait négler à voler, papa. C'est pour dire, oh, monsieur Intel, vous allez bien? Est-ce que vous avez bien volé hier? Oh, my goodness. Oh, my God. Ok, attendez-nous. Et moi, phrase ça, de Wash Evans, le chemin de la réussite de notre jeunesse, c'est la route de l'aéroport. Go cause, c'est pas si cause, monsieur, pas parler là. Ah oh, oui. Depuis je n'est pas well pral, c'est sous d'aéroport pour aller bah ça et puis ils gon mallette dans machine ni et côté au bal déposer là bah ça oh. I mean moi pour ça me lague sur Twitter parce que même c'est sur Twitter j'ai plus monde je vois comme c'est et moi lague ça sur OK Patrice Bayer fait répondre nous. Et moi, mes amis, je mette là. Et réussite pays, c'est dans citoyen. Ok, c'est dans citoyen. Moi, mais ça, c'est dans citoyen. Mais réussite pays, c'est. Réussite pays, c'est dans citoyen. Oui, je comprends ça. Mais M. Palo lui-même de jeunesse là. M. de Gonsa, réussite jeunesse là. Porte succès. Non, et pas porte succès. Pas, chemin réussite. Pour jeunesse là, c'est où d'aéroport. Son gros causé, et me d'accord 100% monsieur. Monsieur est certain que c'est pas une réponse que oui. Bon, De Wash Evans parlait de façon individuelle. Mais réponse que Patrice Bayer bah là son bagage qui plus global de façon collective. Réussite pays, c'est dans citoyen. Non, il n'y a pas en sortir de là. Il n'y a pas en sortir de là. Mais même citoyen, ça, si monsieur vient en visa et puis où est-ce que l'aéroport l'a fait, c'est gros causé. S'il n'a pas de visa. Les choses les plus intelligentes sortent le plus souvent d'une blague, à je te jure. Ça, monsieur a fait, ça, monsieur se dit, là, son. C'est peut-être une blague que monsieur fait, mais c'est une vérité écrite noir sur blanc, man. Carrément, brother. Carrément, oh my God. C'est ça que fait pour casser pays comme ça, parce que y a espoir. Pas Haïti. Y a espoir, y a parti. Non, man. Bon, le premier bain, Abdou, McKinley. Mackenzie le grand, c'est ça qui fait craser pays, il y a comme ça parce que il y a gain espoir, il y a parti. Oui, ben m'a dit c'est que c'est pas jeunesse qui craser pays même. As simple as that. Tu peux avoir ton opinion, il y a pas de problème parce que c'est la démocratie, mais moi-même de mon humble point de vue et de par si étude que me fait de situation, de réalité pays, c'est pas jeunesse qui craser pays abonné. You know? So il faut que me suspende mes bases à notre tête non. Bon, bon, petit bagage. Quand on dit que les gens qui ont crasé business, les gens qui et machine monde, c'est vrai que il n'a pas fait aucun sens que pitié là, lâche ton machine aujourd'hui et puis manifestation en fait. Et puis, il y a peut-être un monde qui appuyait manifestation et puis quand même, il a crasé machine. Ni. Pas de problème. Mais ça n'a pas rien, craser vite machine, il n'y a pas rien devant un paquet de monde qui a mouru. Sans pas compte pour qui raison. Tout le monde la saline qui mourit, tout le monde qui mourit Pétionville, tout le monde qui mourit, quel que soit côté pays, dans le pays qui mourit. Bode, nous refusons de comprendre que l'environnement, l'environnement proche, ou, depuis le pas en forme, ou banane. Environnement proche, ou, depuis le pas en forme, ou banane. Fonfonjan, par exemple, pour éduquer mon yo, c'est l'éducation. D'abord, éducation. Si ne pas commencer depuis Konya, depuis Jodia. Parce que si vous commencez Jodia, c'est peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans qu'on pourrait gagner un résultat. C'est pour un résultat qui pourrait le faire du jour au lendemain, par exemple. C'est pas demain, si tu veux, l'on commence à éduquer mon yo, et puis demain, si tu veux, et tout le bagage en forme. Non, pas du tout. Ça va prendre un certain temps, man. Mais, pas aucun signe qui montrait que n'a priorisé. Éducation. Pas aucun signe qui montre que nous voulons, par exemple, que Timounio éduqué. Brother man. Par exemple, là, je prends pile l'argent. Je prends peut-être comme exemple. Si c'est pour l'argent, pas que l'argent du tout.
Et puis, ma vie venant tout d'ivoire. Gros caille, bah, ça, et puis, mur. Après, les gens qui passent dans la rue, qui ouais. Bon, laissez-moi vous dire. Même là, on prend son avion ou bien on prend son hélicoptère, ou pas qu'à ouais, parce que non seulement on barricade avec un gros mur, et puis il y a toute sécurité sous mur, et puis mettons on laisse sous sou caille là tout. So, you think you're safe? Pendant ce temps, tout environnement, c'est misère. You think you're safe? Nous avons une mentalité de sauve qui peut, et puis sauve qui peut assez de façon personnelle, lui. Il pas jamais beaucoup ça, il pas jamais beaucoup ça, brother. 86, nous voyons Duvalier aller, which is good. Parce que tu as une disparité dans le pays. La disparité avait une pire mal, je dis. Là. On met une disparité entre personnes. Il vient beaucoup plus approfondi, je veux dire. Nous voyons Duvalier aller. Et puis, nous commençons avec une question de rationnement de courant. Ça veut dire que nous venons commencer dans une question de pas de courant. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on t'a forcé l'État? Mettez maintenant gorgette l'État pour le bon service. Vous pas fait ça. Ce que vous avez fait, alors c'est mentalité de sauf qui peut de façon personnelle. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous achetez un inverter, mettre la caillou. Après ça, vous achetez batterie, mettre la caillou. Après ça, vous achetez le ou pas bon courant. Ou maman, un inverter, batterie ou pas chargé parce que pas de courant. Quittez pour génératrice. Vous achetez une génératrice. Au lieu qu'on force l'État à boire service. Ou plutôt font safety personnel et vous pensez qu'on safe. Forcez l'État bon service. C'est ça lié. Ne pouvez pas faire le constat. Vous pensez que son bagage personnel. Vous pouvez faire, qu'on y a mis pour Gaza. Même bagage là pour Gaza. C'est même bagage là pour Gaza. Ou un gars bataille pour Gaza, ça achète un gars, non, bah, pour un gaz mettre la caille. C'est un coup. It's fine. Come on, man. C'est pas solution à ça, bode. Acheter gaz, stocker un côté, bah, ça, dans 2 semaines, pas de problème gaz encore. Oui. Et puis là, on fait on est comme ça encore. Jusqu'à ce que nous venons prendre pour un bagage qui est normal. Même gens nous prennent, ça fait blackout là pour un bagage qui est normal. Ça a commencé en 1986. Avant 86, le, y était qu'on prend courant dans le pays, c'était pour peut-être 1 heure de temps. Pas d'habitude à bah, ça, oh. Pour 1 heure de temps, pour yon ranger un bagage, une turbine, pour yon nettoyer yon ceci, yon cela, yon whatever, yon génératrice, pour yon nettoyer yon bagage, un bagage quelconque. 1 heure de temps, c'était pas quelque chose de normal. C'était pas la norme à l'époque. À partir de 86, nous venons gagner un rationnement de courant et on a fait peut-être 12 heures de temps sans courant et puis it's fine. Qui te marche, tu es un vêtement, papa. Il n'y a pas de courant et demain, si tu veux. Ah non, c'est 4 heures de temps seulement, il n'y a pas de courant. Et puis, après un vêtement, on achète un Delco. Après Delco, on achète panneau solaire. On parle d'un gars qui dit panneau solaire. Chaque femme dit, monsieur, il n'y a pas de panneau solaire, partner. C'est panneau solaire. Monsieur Stilu, Mano, ça vient, Mano. C'est effectivement, c'est pas nos soleils, c'est pas nos soleils. Oui. So, nous avons une mentalité de régler bagages de façon personnelle au lieu que pour régler de façon pour collectivité. Ne pouvez pas régler pour collectivité. La vin sou quand même, la tourne sou quand même. La tourne sou quand même, bode. Donc là, moi, un paquet de monde. Égal fait gaz. Égal pour un petit bidon. Un paquet de bidon jaune dans le pays. On y a un barou, bode. Quand bidon ça, on dit jaune. Et puis, tout jaune. Tout bidon jaune. It's crazy, man. Et bien, nous pensons que c'est ça pour nous faire. Non, mon cher, il n'y a pas qu'à ça, brother, man. Il n'y a pas qu'à ça, brother. On met éducation. Éducation. Il faut le commencer depuis qu'on est pour de 25 ans ou bien de 30 ans.
n'a pas de résultat. Nous pas de résultat demain si Dieu veut. Monsieur, me songe à l'époque de petit men. Nous connaissons les Gomon, mais nous connaissons ça déjà. Nous représentons les Gomon. Et je ne sais pas si monde, mais quand j'étais petit, mon partenaire, un jeune garçon, un jeune garçon, mais bien portant, flâneur, c'est là, yo, mano, flâneur, gros flâneur dans la ville, man. Monsieur Volon, bagaille, bode. Quand ça passe, monsieur obligé de quitter la ville là. Mano, monsieur obligé de quitter la ville là. Tradition, ça va respecter encore. Yes. Voler, kounia, c'est. Sous bêtise, on va voler à la zone. Oh, ou même qu'on va voler à la zone. La zone, non. Yes, yes. Yo, je ne sais pas si monsieur, parce que jusqu'à présent, je me monsieur, monsieur était en minou, sous quartier, man. Nous, bon flâneur, man. Bon, là, ça me dit Timon, tout. Avec dit, là, je me dis Timon, non. Je me Timon, I was looking up to him. Je dis, shit, monsieur flâneur, man. Monsieur. Oh, wow. Ok, monsieur flâneur, man, c'est là, là, là. Soit on écoute un, mais même j'avais le demain si tu veux, parce que ouais, monsieur flâneur, monsieur ceci, monsieur cela. Et puis monsieur a le volé, man, monsieur son volé. Monsieur volé, et puis il mettait monsieur dans la prison. Après quelques temps, le monsieur lagué. Monsieur obligé de bailler ville là, bode. Monsieur obligé de quitter ville là. D'abord, mon qui est côté l'aller. Quand il y a l'un avec la volée, papa, c'est pour dire, oh, monsieur Intel, vous allez bien? Est-ce que vous avez bien volé hier? Oh, my goodness. Oh, my God. De Wash, ou, est-ce que son paquet universitaire qui a le Chili vraiment? Ou quand il y a un pile, il y a un qui sont dans l'université. Al Chili, c'est où le Chili? Oh, Isaldo, ça a fait. Avait dit que nous perdons un paquet de bagages là, paquet de bagages, man, paquet de bagages, brother. Nous perdons un paquet de bagages. Et puis où est-ce que passé? Nous pas jamais remarqué ça. Génération ça, son génération bizarre. Chaque fois génération ça apparaît ton collier par exemple. Et puis il décide que ou même ou étudier bagages là et puis ou fait ou bon ou gain master de bagages là et puis il paraît et puis livre les bonnes leçons sur lui. Ils sont ignorants, ils sont arrogants, ils sont ignorants. Plus yo ignorant, c'est plus yo arrogant. Longtemps l'on monte ignorant. Ou te mettre au petit pour apprendre. It's okay pour ignorant, brother. It's okay. It's okay. Tout le monde ignorant. N'a pas monde qui pas ignorant sur la terre. Quel que soit gros philosophe que n'a attendé que n'a étudié qu'on y a ou bien que n'a répété maxime toute la journée, toute la nuit, tout gros philosophe ça aussi, c'était des ignorants. Les ignorants, ce sont des gens qui ignorent certaines choses. Par exemple, un gros philosophe qui, monsieur philosophe, n'a fait, par exemple, ok, n'a fait ça. Monsieur son gros philosophe, n'a fait laptop ou bien appareil électronique. Mais monsieur qui n'est pas ignorant, n'a fait manger. Vous comprenez? Monsieur qui n'a pas qu'on fait manger. C'est là, monsieur philosophe. Mais notre génération ça au connia là, yo pas connait rien. Yo ignorant dans toute bagaille net. Mais yo pi arrogant. C'est yo qui pi arrogant. Eh, hey, Paris dans cas là, ça qu'a fait qu'est-ce que tu as? Tu vas bien?